Ne t'entête pas, Ricky. On ne te lâchera pas tant que tu n'auras pas parlé. S'il le faut, on t'arrachera les mots un par un. Alors tu te décides? Parle. Où est-ce qu'il est, ton copain Django? Où il est passé? À quel endroit tu devais le rejoindre, hein? Où il est? J'en sais rien! Non? J'en sais rien, je vous dis! C'est bien dommage pour toi. Attends un peu, je vais te rafraîchir la mémoire. Tiens! N'insistons pas plus longtemps, puisqu'il refuse de parler. Il n'y a plus qu'à se débarrasser de lui en vitesse. À présent que nous avons mis la main sur le magot, lui, il peut crever. Adieu, Ricky. Crapule! Allez, les gars, finissons-en maintenant. La signorita avec laquelle j'ai rendez-vous est autrement intéressante que lui. Tu n'as pas pu parler, tant pis pour toi, Ricky. L'or, c'est nous qui l'avons. Mendoza n'existe plus et toi, tu seras bientôt qu'un tas de petits morceaux. Quant à Django, on finira bien par lui mettre la main dessus un jour ou l'autre. La dame de pique. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Adieu, Ricky. Thank you.
Domingo. Arrête. Pourquoi tu veux te sauver? Tu as peur? Eh bien, ici, approche. Viens t'asseoir. Fais comme chez toi, puisque tu y es. Oui, Django, mais qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai rien à voir avec toute cette histoire. Je t'assure que c'est vrai. C'est par hasard que je m'y suis trouvé mêlé. Bien sûr. Assieds-toi. Et raconte-moi comment ça s'est passé. Allons. Je t'écoute. Je vais dire à Ricky que c'était pas prudent de trimballer tout cet or avec lui, mais il ne m'a pas écouté. Je suis sûr que Ricky se méfiait de moi parce que je suis un sang mêlé comme toi. Il se méfiait moins de toi, mais après la mort de Mendoza, je me suis demandé si... entre toi et Ricky... Je t'ai demandé ce qui s'est passé et comment ça s'était passé. Qui étaient les types qui étaient dans le coup? Combien ils étaient? Réponds! Qui était-il? Parle! Qui a tué Ricky? Non, je peux rien dire. Rien du tout, je te le jure. Je peux pas, c'est bien trop risqué. J'ai eu assez de mal comme ça à m'en tirer. C'est pour ça que je me cache. Est-ce que c'est eux ou moi que tu fuyais? C'est eux, eux seuls. Crois-moi, je dis la vérité. Je te le jure. Ils me liquideront si je parle. Je peux rien dire. Tu me crois? Mais ce sont les... Oui, ce sont des morceaux de corde avec lesquels ils ont écartelé Ricky. Ces salauds ont commencé par se débarrasser de Mendoza. Et après, ils ont massacré mon copain Ricky. Et je me suis promis de les venger. Il me faut les noms de ces traîtres. Donne-les-moi. Qui était-ce? Qui était dans le coup? Dis-le. Je peux pas, Django. Dis-le. Il y avait Laredo. Et puis Yuma. Ils étaient plus de deux. Qui étaient les autres? Je ne les connais pas. Je ne les avais jamais vus. Il y en avait un que tu dois sûrement connaître. Parce que c'était toi. Moi, tu m'accuses. Non, j'ai rien fait. J'avais aucune raison. Tu as aidé à le tuer pour le dépouiller. C'est pas vrai. Jamais de la vie. J'ai rien pris. Je suis aussi pauvre qu'avant. J'ai pas un sou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette bourse appartenait à Ricky. Tu l'as tué pour quelques dollars. Jamais où est le magot si tu me descends ni qui étaient les autres. Arrête! Ne tire pas, Django. Non. Non, Django. Ne tire pas là. Je suis.
compliment. C'était très beau. Vous avez un talent exceptionnel. Bonsoir, beauté. Bonsoir. Deux cartes. Je vais les donner, si vous permettez. Et pour la dernière fois. Je pars définitivement d'ici tout à l'heure. Mille. Deux mille. Je n'ai plus d'argent, je ne peux pas suivre. Et des titres ou des terres, vous en avez? Oui? On peut toujours s'arranger. Dans ce cas, je continue. Bon, parfait. Ce papier me suffit amplement. Carré de 10. Doucement. Une minute. J'ai pas étalé mon jeu, soyez pas si pressé. Moi aussi j'ai un carré, mais de femme. C'est pas possible, tout à l'heure j'en ai jeté une. Dehors! Allez, allez, pas d'histoire. Dehors! Fiche le camp. Pousse. Et ne remets plus jamais les pieds ici si tu ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Venez les gars, vous boirez à ma santé. Merci, merci bien. La journée a trop bien commencé, les gars. Ça a refroidi les amateurs. Y a personne qui veut faire une partie, alors? Si, moi, je veux bien jouer. Asseyez-vous. Mettez votre argent à votre gauche, ça porte chance. C'est ce qu'on dit. Jane vous offre une tournée générale. Tu veux bien, oui, Uma? Aujourd'hui, tu as gagné gros. Bon, attendez. Jane, à boire pour tout le monde. C'est la dernière dépense que je fais pour Jane. Maintenant, c'est la Redo qui va casquer. Hein? Je le plains à la sienne. Il sait pas ce que c'est que d'entretenir une femme comme elle. L'invitation vaut aussi pour vous, si vous désirez boire quelque chose. Merci, je ne vais pas vous ruiner. Ah.
n'aimez pas le cigare, c'est bon pourtant. Et pas trop malsain. Vous êtes fabricant? Oh non. Je me présente, Milton Baker. Je suis le fondateur de l'Écho du Far West. J'ai passé un demi-siècle dans le papier, mais je n'aurais jamais eu l'idée qu'on pouvait aussi s'en servir pour le fumer. C'est une révélation. Dès demain, je fais un papier sur vous. Quel est votre nom? J'ai déjà oublié. Je ne vous l'ai pas donné. Qu'est-ce que vous attendez pour me le donner? Nous avons besoin de quelqu'un comme vous depuis des années ici. Il vaut toujours mieux savoir ce qu'il y a de l'autre côté d'un mur avant de le sauter. Il me suffit d'être au courant de ce qui se passe de votre côté. Je ne sais pas qui tu es, mais tu m'as l'air fort. Au couteau et au pistolet. Tu dois avoir d'autres tours dans ton sac. Hé, étranger, je te parle! Tu tiens vraiment à le savoir? Mets-moi à l'épreuve tout de suite. Aux cartes, aux armes, ce que tu voudras. Rencontrons-nous à la régulière. D'accord? J'ai un compte à régler avec toi, Yuma. Dis-leur de se dépêcher, on a 2 heures de retard. En voiture, la diligence repart dans 10 minutes. Si tu n'es pas trop pressé, si tu es un gentleman, tu voudras bien laisser partir mon ami. Nous nous expliquerons ensuite à la régulière, comme tu dis. Alors... qui ne dit mot consent, n'est-ce pas? Jane, on descend tes bagages et tes vêtements de voyage. Oh, merci, Hélène, qu'on les porte à la diligence. Je pars comme ça, je me changerai au premier relais. Je n'ai plus le temps maintenant. Merci. Oh, ma guitare, où est-elle? La voilà. Merci, Johnny. Adieu, mes amis. Adieu, je vous embrasse tous. Adieu, Jay. Bonne route. Adieu. On vous y dira. Adieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Adieu, Jane. Tu feras mes amitiés à l'arrêt d'eau. Au revoir. Et quel voilà. Dommage que Jane nous quitte. Adieu, chérie. Beaucoup de bonheur. Merci. Au revoir, Jane. Bon voyage. Au revoir, Jane. Bon voyage. Bonne chance. Écrivez-nous. À bientôt. Au revoir, Jane. Adieu, chérie. Revenez nous voir. À bientôt. Désarmé, ce serait pas régulier. Bien. Ça. Salomon.
Il a perdu la partie. Et la vie. Qui était-ce? Celui qui était tué, c'était Yuma. Il ne valait pas la corde pour le pendre et je ne pense pas qu'on le regretterait ici. Et qui était l'autre? Quel autre? Celui-là? Non, celui qui les a abattus. Ah, je vois, je vois. Ce garçon ne m'a pas dit comment il s'appelait, mais si je m'en rapporte aux initiales marquées sur sa ceinture, ma foi, il pourrait s'agir que Django Barrett. Il a réglé son compte à Yuma, je crois, pour lui faire payer la mort de ses deux amis, deux gibiers de potence. Mais en comparaison de ce Yuma, il faisait figure de saint. Whisky. Ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la rincette, ça. Je veux du vrai whisky. J'ai de quoi le payer. Celui-là, c'est du vrai. Il y a un shérif dans ce pays. Jimmy, Jimmy, donne-moi un autre. J'ai soif, sois chic. Donne-moi un autre, le dernier. Non, non, tu as assez bu et puis tu n'as plus de sous. Fais-moi crédit, je paierai demain. Thank you.
Bonjour, monsieur. Salut. Vous avez des fusils? Oui, oui, tenez, là, si vous voulez choisir. Hé, hey, David! C'est une belle arme, n'est-ce pas? Quel prix? $30. Tu as vu, Jimmy? Est-ce que c'est pas un peu criminel de faire ça? Casser une pleine bouteille de bon whisky, si c'est pas malheureux, une chose pareille. Avant que j'ai eu le temps d'enlever le bouchon, elle a fait boum! Jamais j'ai vu une chose pareille. Discuter des heures pour une bouteille cassée. Ils ont quelques excuses. C'est mortel ici. Nous menons tous une vie d'ermite d'un bout de l'année à l'autre. En dehors des enterrements, il n'y a aucune distraction, rien. C'est la vérité, monsieur. Ce village ne vit que pour et par les gens qu'on conduit au cimetière. Il y en a chaque jour davantage, monsieur. Tous tués par Laredo. Laredo, vous dites? Ouais, Laredo, un triste individu. Il n'y en a qu'un comme lui au monde. Une bête sauvage. Et toi? J'en ai assez, laisse-moi, je veux dire ce que j'ai sur le cœur. La situation empire de jour en jour. C'est devenu intenable ici. Laredo fait ce qu'il veut dans ce village, en toute impunité. Il y a plusieurs mois, il a tué le shérif que nous avions. Depuis, l'ordre n'est plus assuré. Donnez-moi une lime aussi. Quoi? Une lime. Quand est-ce que la diligence doit arriver? Dans environ 2 heures. Vous devriez la prendre et vous en aller. Si j'étais vous, c'est ce que je ferais. Qu'est-ce que je vous dois? Rien du tout. Notre maison vous en fait cadeau. Il a l'air de savoir ce qu'il veut, celui-là.
veut bien descendre. Oh, merci. Bonjour, mademoiselle. Mes hommages, mademoiselle. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, très bon, je vous remercie. Très honoré. Bonjour, chère madame. Tiens, quelle coïncidence. Oh, j'ai peine à l'imaginer. Dans la vie, tout peut arriver. Ça vous ennuie de me voir avec cet insigne? Monsieur le shérif, est-ce que vous vous êtes demandé combien de temps vous resterez en vie? Plus que certains de vos amis, en tout cas. Laisse-la si tu veux pas que je te corrige. Toi, je serais curieux de voir ça. Quand tu voudras, je suis prêt. Écoute, je te donne 10 minutes pour fiche le camp d'ici. Et tu diras à ton copain Laredo que je l'engage à en faire autant. Maintenant, tâche de filer doux. Qu'est-ce que vous raconterez à Laredo quand il viendra me chercher? Quel genre d'histoire? Celle que j'ai racontée à Yuma. À propos de Yuma, si vous avez pu venir ici, c'est que vous avez dû vous débrouiller pour ne pas l'affronter et vous défiler. Yuma aurait eu vite fait de vous liquider. C'est tout de même pas vous qui... Qui quoi? Je vois que tu commences à piger. Vous l'avez tué. Il est en train de rôtir en enfer à l'heure qu'il est. Tu m'excuseras de ne pas avoir mieux à t'offrir que cette cellule. C'est pas le grand palace, mais il faudra t'en contenter. Pourquoi êtes-vous ici? Dans quel but vous êtes-vous fait shérif de cet endroit? Vous avez l'intention de jouer les redresseurs de tort, de changer les mœurs, peut-être? On sait d'avance comment ça finit, ces choses-là. Ne vous entêtez pas, abandonnez cette idée. J'ignore encore pourquoi vous en voulez tant à Laredo, et je n'en ai que faire. Mais ne t'occupe pas de ça, c'est mon affaire. Rentre là-dedans, va. Écoutez, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Django. Django Barrett? C'est vous? Ouais. J'ai entendu parler, moi aussi, de cette histoire. Je crois que Yuma y a été mêlé, Laredo aussi. Oui, tous les deux. Il y avait aussi Domingo et Gomez. Mais je n'ai jamais pu découvrir qui était le cinquième. Il me reste encore 3 bouts de corde à distribuer. Si ça te fait plaisir, tu peux jouer de la guitare. Pourquoi voulez-vous tuer ces hommes? Ils ont tué mes copains. Et je veux reprendre le trésor. C'est moi qui l'ai volé, il m'appartient. Qui étaient vos amis? L'un, Mendoza, et l'autre, Ricky. Nous étions associés, tous les trois. Ils ont commencé par liquider Mendoza. C'était un homme formidable. Bien sûr, c'était une fripouille, sans morale. Mais dans son genre, c'était... un génie. Un véritable génie. Il inventait toujours quelque chose. Je me souviens encore du procédé qu'il avait mis au point pour conserver un vin rouge mexicain qu'il aimait beaucoup et qu'il tenait en réserve dans les galeries d'une ancienne mine de soufre qui était devenue notre refuge. Il avait un faible pour Ricky et n'arrêtait pas de le taquiner. Ça te fait envie, hein? Je t'en fais cadeau, Ricky, tu l'auras quand je serai mort. Mendoza était un homme intelligent, cultivé, raffiné, mais dont les sentiments étaient troubles. Même dans ses rapports avec Rosita, qui avait dû être sa femme, mais qui était devenue pour lui l'objet et la victime d'un jeu très cruel. Chérie, il te plaît, Ricky, hein? Un voleur, Rosita, hein? Tu es amoureuse de lui, dis-le. Ricky n'était encore qu'un gamin sans expérience de la vie. Un garçon droit et propre. On l'avait pris avec nous parce qu'il était aussi agile et souple qu'un chat. Il allait le prouver. Nous voulions nous emparer d'un trésor, et Mendoza avait préparé l'affaire de main de maître. Il avait décidé de faire un grand coup. Il en avait assez de vivre de menus larcins. C'était un ambitieux à sa manière. Malgré quelques émotions, Ricky se tirait très bien d'affaire.
Une fois qu'il se serait introduit dans l'ancien palais, le plan de Mendoza devait se dérouler avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Domingo, lui, était chargé de faire le guet. Il ne faisait pas partie de notre petite bande. Mais aucun de nous n'aurait jamais pu penser qu'il serait capable de nous trahir. Mendoza et moi, nous avions enfilé le souterrain et, grâce à Ricky, nous avions pu pénétrer dans les salles basses du palais. Là, nous avions attaché une très longue corde à la roue du vieux moulin. Et à partir de cet instant, nous ne pouvions pas nous permettre de perdre une seconde. La roue tournait inexorablement. Entre-temps, Ricky s'était faufilé par une cheminée et avait débouché à l'étage où se trouvait le coffre. Après s'être assuré que tout était tranquille, sans perdre de temps, puisqu'il n'était pas question de pouvoir arrêter la roue, il était allé dans une des pièces voisines, dans laquelle il y avait une trappe qui devait nous permettre de le rejoindre. Tout se déroulait comme prévu. Question d'intelligence, comme disait Mendoza, qui aimait se faire appeler professeur. Ricky et moi, nous avions fixé l'autre extrémité de la corde à un pilier de soutènement de la salle. De son côté, Mendoza, chargé d'ouvrir le coffre, commençait à s'en occuper. Il était d'une habileté diabolique, un mélange de perfection technique et de magie. Aujourd'hui encore, je suis incapable de dire laquelle des deux était la plus efficace. Toujours est-il que son talisman, dont il ne se séparait jamais, semblait avoir opéré un nouveau miracle. Le coup avait réussi. Le coffre-fort était ouvert. Nous n'avions plus qu'à nous servir. Mais juste à ce moment-là, l'imprévu est arrivé. Nous avions été découverts. Réagissant aussitôt, Mendoza s'était mis en devoir de couvrir notre fuite. Mais pendant ce temps, la corde était arrivée à fin de course et allait faire céder le pilier, effaçant ainsi toute trace de nos agissements. Malheureusement, Mendoza resta enseveli sous les décombres. Il avait tout prévu, sauf la possibilité d'une trahison. Voilà pourquoi je suis ici, pour les venger tous les deux, lui et Ricky. Tu ne joues plus, pourquoi? C'était joli comme air. Le nouveau shérif est arrivé au pays. Il retient Jane de force dans son bureau. C'est vrai? Oui. Hola, Manolo, arrive ici. Voilà, je viens. Écoute ça. Thank you.
Django. Vos histoires ne me concernent pas. Laissez-moi partir avant que ça ne tourne mal. Vous êtes libre de risquer votre vie si vous le voulez, mais moi, je n'ai aucune raison de risquer la mienne. Shérif, laisse sortir cette femme. Tu entends, shérif? Relâche-la et ensuite on discutera. Tu n'auras rien à craindre si tu es raisonnable. Qu'est-ce que tu en dis, hein? D'accord? On arrive toujours à s'entendre avec l'arrêt d'eau. Fais-la sortir maintenant. Dépêche-toi. Dernière fois, fais-la sortir! Tu entends? Relâche-la ou ça va barder! Cause toujours. Viens te faire tuer. Allez, viens à côté. Là, au moins, tu seras en sûreté. Planquez-vous, les gars. Allez, dépêchez-vous! Viens ici si tu en as le courage! Je suis prêt à t'affronter! Espèce de lâche, sors de ta tanière! Sale métisse! Bâtard! Oui, je suis un métis et un bâtard. Les Indiens me tiennent à l'écart, ils n'ont pas confiance en moi, j'ai la gueule d'un blanc. Les blancs, eux, me crachent leur mépris à la figure. Il y en a plus d'un qui l'a payé cher, très cher, je tuerai Laredo comme les autres. Sacré Yoma. Il sait prendre la vie du bon côté. Savait. Ouais. Tout ça, c'est la faute de ce salaud. Il massacre mon ami, ensuite il séquestre la femme que j'ai payée si cher et il veut me tuer encore. Qu'est-ce que tu veux? Cette fois, il y en a assez. Vamos, muchachos! Tâchez de me débarrasser de cette crapule! Liquidez-le en vitesse! Attention à ma femme! Ne la tuez pas! Viens ici. Grimpe sur cet échafaudage et longe la maison jusqu'au balcon.
tâche de pas te faire voir. Allez, va. Manuel, vas-y, toi, essaie. Allez. Par la fenêtre. Il m'en a encore tué un. Tirez, allez, tirez! Je te dis qu'il faut employer la dynamite. C'est bon, d'accord. Prépare-la alors. Mais attendez mon ordre. Compris? Oui. Vas-y. Voilà pour toi, Laredo, de la part de Ricky.
Shérif, Laredo me payait pour enterrer les morts. J'étais au pourcentage, évidemment. Tu ne manquais pas de travail, hein? Tu ramassais gros. Oh non, environ 10 dollars par cadavre. C'est pas si mal. Bon, alors, tu vas m'enterrer ce type-là et me faire l'addition, hein? Tu vas l'aider, toi. Vous n'aurez qu'à vous arranger ensuite. Allez, adieu. Cherchez un autre shérif. Je ne veux pas te quitter. C'est impossible, Jane. Je dois être tout seul pour accomplir ce que j'ai à faire. Tu me suis, toi. Pourquoi? Tu veux me le dire? D'abord, qui es-tu? Chasseur de primes ou shérif? Je suis détective et je travaille pour la Pinkerton. Et tu sais bien pourquoi je te suis, Barrett. Pour l'affaire du trésor? Oui. J'ai mis du temps à retrouver vos traces à tous. Mais je sais que cette fois-ci, je suis enfin sur la bonne piste, celle du trésor, n'est-ce pas? En tous les cas, je ne t'empêche pas de le récupérer, si tu le trouves. Mais ne te mêle pas du reste. Sinon, je me verrai forcé de te liquider. À un de ces jours. Tu vois, Kid, moi, je n'ai pas trop confiance dans cet Indien. Je parie qu'il ne fera rien pour retrouver Barrett. Il ne trahira pas son frère de race. Django Barrett est un métis, les Indiens ne l'encaissent pas du tout. Inutile de t'en faire. Sanko va le retrouver. S'il nous a fait dire de l'attendre ici, eh bien, crois-moi, c'est qu'il a de bonnes nouvelles à nous donner. Je l'espère bien. 3000 dollars pour retrouver Barrett et nous le livrer, il ne perd pas son temps. Il est vrai qu'il ne les touchera qu'une fois qu'on sera débarrassé de Barrett. Mais quand même. Hé, hey, Kid! Voilà Sanko! Salut! Django, lui quitter le village. Depuis, le soleil est déjà levé deux fois. Il vient ici avant nuit noire, campé dans la caverne. C'est lui qui te l'a dit?
moi être sûr. Cette nuit, nous allons pouvoir nous emparer enfin de Django. Quand on l'aura, on le fera griller. Avant de le... D'accord, Mills. Dangereux pour Kid. Toi connaître beaucoup ce secret. Pas bouger. Et bientôt. Qu'est-ce que tu attends pour l'achever? Je veux qu'il soit presque aveugle. Attends un peu encore. Une fois qu'il aura les yeux bien grillés, il sera en forme pour se battre contre moi. Hé, arrête, Sanko! Amène-les tous ici! Rasseyez-vous, les gars. Le voilà, votre héros. Regardez-le. Un peu fatigué, mais vivant. Donnez-lui à boire, voyons. Il meurt de soif.
vrai que tu as soif? Attends, on va s'en occuper. M'avoir, hein, salaud. Seulement c'est raté, je les connais tes combines. T'as trouvé à qui parler, hein? Entrez, venez. Regardez-le, votre défenseur, votre héros. Regardez-le bien. Que ça vous serve de leçon. Il se croyait très fort. Il a voulu faire le malin, mais ça ne lui a pas réussi. Approchez, approchez, le spectacle va commencer. C'est moi qui vous l'offre. Écoutez-moi bien, vous tous. Ce type-là, qui est à moitié blanc, moitié indien et s'appelle Barrett, est un voleur. Un sale traître. Ainsi qu'un assassin. Il a tué quelques-uns de mes amis. Je vais lui faire payer ce crime. Et tout seul, le kid, tout seul. J'ai un compte à régler avec Barrett. S'il y en a ici qui ne me croient pas, si certains veulent prendre la défense de ce salaud-là, ils n'ont qu'à me le dire. Vous vous taisez? Vous avez peur? Pourtant, vous êtes plus nombreux que nous. Vous êtes tous des lâches. Vous préférez laisser faire, comme le jour où mes amis ont été abattus. Alors, rien? Rien à dire? Non? Personne n'ose ouvrir la bouche ici? C'est parfait, la cause est entendue. Je vais le rencontrer, à la loyale. Il aura sa chance comme moi. Chacun se tiendra à l'un des deux bouts du comptoir avec un revolver en main. Une seule balle chacun apparaît. Le meilleur gagne. Et tant pis pour le vaincu. On va y aller maintenant. Deux bières. Qu'est-ce que tu attends? C'est ce que tu dois faire. Alors attention. C'est simple. C'est toi ou moi. Bon, alors, le patron va vous envoyer à chacun une chope et un revolver. Vous devrez tout d'abord saisir la chope et ensuite... Mais ensuite seulement prendre l'arme et tirer. C'est le moins rapide des deux qui... se retrouvera au cimetière. À vos places. Fous le camp de là, ivrogne. Oui, oui. Tu y es? Oui, je suis prêt. Thank you.
Django. Django. Bougez pas. Tu croyais que je ne pourrais pas viser. J'étais quand même eu, Kid. T'en as plus pour longtemps, maintenant. Numéro 4. Tiens. Si tu crois retrouver le cinquième et le tuer, tu n'as pas une chance. Pas une seule. Jamais tu ne l'auras. Pas le chef. Il me vengera, tu verras. Comment s'appelle-t-il, qui sait? Tu ne le sauras jamais. Jamais. Parle, dis-le. Oh! Trop tard, vacherie. Laisse-le. Non. Il s'est trop mal conduit envers moi. Toi aussi, d'ailleurs. On ne quitte pas ses amis comme ça sans rien dire. Sans un seul mot d'adieu. On en avait assez de vivre dans cette caverne, Mendoza, comme des taupes, comme des morts. Mais oui, nous sommes morts. Non, je suis vivante, je veux être vivante. Tu entends? Officiellement, tu es morte, comme moi. Écoute, il y a dans ce coffre 30 000 dollars or que je me suis approprié grâce à mon intelligence. 30 000 dollars que je n'ai pas l'intention de perdre à cause d'une imprudence. Et je ne veux pas davantage partager ce magot, il est à moi seul. Bien entendu, je suis tout disposé à rétribuer les services rendus. Mais je ne veux pas partager, je ne veux pas d'association. Ah, mon ex-associé Django est en train de liquider tous ceux qu'il soupçonne d'être les auteurs de ma prétendue mort. Mais il sera tué, sa tête est mise à prix, et il se trouvera forcément quelqu'un qui voudra toucher la récompense. Lui tué, je serai le seul propriétaire de ce trésor. Et ce jour-là, mais seulement ce jour-là, Rosita, nous pourrons remonter à la surface et jouir de nouveau de la lumière du soleil. Rosita! Viens ici, Rosita. Allons, allons, viens, laisse donc ton petit chéri tranquille. Il a besoin d'évasion, de se changer un peu les idées. Mets-toi une minute à sa place. J'ai une idée. On va demander à Paco de t'aider à le distraire, hein? Je le connais, il a du cœur, Paco. Je suis sûr qu'il ne refusera pas ce petit service. Occupe-toi un peu de Rosita. Vas-y, Paco. Non, Mendoza. Laisse-le tranquille. Mendoza, ne laisse pas faire non. Cela, Mendoza. Va-t'en. Oh. Non. Oh. Non. Je ne veux pas. Non. Laisse-moi. Oh. Mendoza. Mendoza. Non. Django a tué le kid. Oh. Oh.
vaudrait mieux le suivre. Oui. Oh, non. Oh. Salaud, laisse-le. Oh. S'attendre à voir arriver Barrett d'ici peu. Prenez-le seulement, laissez-moi le tuer. Il brille comme les pièces de la prime que je vais toucher. Django, tu n'es pas encore en état de partir. Renonce à Mendoza, laisse le détective s'occuper de lui. Après tout, il est payé pour ça. J'ai un compte à régler avec Mendoza, tu le sais. Et si c'était Mendoza qui te tuait? Ne t'en va pas. Je dois partir, il n'y a rien à faire. Je dois tuer Mendoza. C'est un être abject, un être malfaisant. Il faut l'écraser. Je ne pourrai ne partir que demain. Le temps de retrouver des forces. Django, s'il t'arrivait quelque chose, je... Il vaut mieux que je m'en aille. Non, reste ici, Jean. Personne ne doit savoir que je m'en vais. Il vient de s'en aller. Il va retrouver Mendoza. Où ça? À la mine de soufre. Thank you.
t'attendais pas à ça. Hein, Django? Jette ton ceinturon. Allons. Allons-y. Thank you.
Charge ton revolver. Dépêche-toi. Allez, recharge-le. Maintenant, à nous deux, il est temps qu'on en finisse.
dernière cartouche est pour toi, je vais te tuer. Le trésor se trouve là. Et je sais. Filez tous les deux maintenant. Allez, profitez-en, ça vaut mieux pour vous. Au fond, je ne suis payé que pour récupérer le trésor. Thank you.